En voici une facile pour commencer. Tu as 5 secondes pour découvrir qui se cache derrière ces lignes. C'est un hibou. Et celle-là, plisse les yeux si tu ne vois pas. Est-ce que ça t'a permis de voir le tigre? Prochaine image. Cette fois-ci, essaie plutôt de secouer la tête. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est un gros ours. Peux-tu deviner ce qu'il y a ici? C'est une jolie tortue de mer. Je suis sûr que tu l'avais vue. Qui se cache ici? Je le savais, c'est une grenouille. Voici la suivante. Si tu ne veux pas secouer la tête, essaie de reculer l'image et de la rapprocher cette fois. Ça a marché? Tu as vu la girafe? Encore une autre. La mer est pleine de poissons et il y en a juste un sur cette image. Augmentons un peu la difficulté. Peux-tu voir ce qu'il y a ici? C'est un zèbre. Suivant, essaie encore une autre technique. Fais un zoom sur celle-ci. Ce chat a vraiment du style. Essaie ta propre technique pour cette image. Alors, tu as pu voir l'écureuil? Passons au niveau supérieur et voyons si tu arrives à remarquer les nombres cachés. C'est parti! C'était le 649. Tu l'avais bien vu. Image suivante. Ici, c'était le nombre 903. Je suis sûr que tu y es arrivé. On continue. Tu te souviens le truc du zoom arrière? Je dis ça juste comme ça. Tu as sûrement réussi à voir le 006. Et ici? Tu as vu le 488? Encore une. C'est le 226. Bravo! Et maintenant, le plus dur de tous. C'est un numéro à 4 chiffres. Seuls 5% des gens peuvent voir que c'est le 1240. Voici un nouveau type de test. Peux-tu trouver qui se cache ici? Cette fois, essaie de loucher. C'est un oiseau caché dans la neige. C'était juste un échauffement. Et c'est celle-ci. Il est là. C'est un beau perroquet caché dans la jungle. Penses-tu pouvoir jouer le détective en trouvant la créature cachée ici? C'est un mignon petit pika. Il vit dans les montagnes d'Asie et d'Amérique du Nord. Je ne vois qu'un océan de vert ici. Arrives-tu à y voir autre chose? Eh oui, il y a un crocodile parfaitement dissimulé dans ce décor.
Ok, la prochaine semble n'être qu'un paysage vide. Où est caché l'animal? C'est un guépard, et il peut disparaître en une seconde, car c'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Montons encore la difficulté. Quelque chose est caché ici, mais quoi? As-tu trouvé ce petit oiseau? C'est un engoulevent, connu pour sa technique de vol semblable à celle des chauves-souris. Allez, on continue? C'est un groupe de crapauds camouflés dans les feuilles d'automne. Faisons une petite pause café. Tu en veux une? J'espère que les jolies petites coccinelles cachées entre les grains de café ne te dérangent pas. Image suivante. Tu vois quelque chose ici? Attention, un léopard est proche. C'est le plus discret des grands félins. On ne sait jamais quand il est là. Celle-ci est assez difficile. Essaie encore de plisser les yeux. Ouais, je l'ai trouvé. C'est un écureuil assis sur les rochers. Prêt pour la prochaine? Je regarderai de près si j'étais toi. C'est toute une famille de lémuriens qui se tiennent chaud en hiver. Regarde ces magnifiques papillons. Peux-tu dire de quelle couleur ils sont? C'est simple, ils sont tous exactement du même beige. Mais les rayures multicolores font croire à ton cerveau qu'ils sont de différentes couleurs. Voici une autre illusion d'optique colorée. Fixe le point blanc au milieu de cette palette de couleurs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fixe toujours le point blanc. Vois-tu des couleurs délavées autour de lui? Et maintenant, arrête de fixer le point. Les rayures sont en fait blanches et grises. Ton cerveau et tes yeux t'ont encore joué un tour. Voici un exercice sympa. Fixe l'oiseau pendant que je compte à rebours jusqu'à 1. Au moment où je dis 1, regarde rapidement vers le plafond et cligne plusieurs fois des yeux. Tu ne croiras pas ce que tu vas voir. Allons-y. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, cligne des yeux. Vois-tu le même oiseau ou est-il d'une couleur différente? Dans tous les cas, il doit être là. Combien d'animaux vois-tu ici? La réponse correcte est 1. Je plaisante, ce serait trop facile. Si tu regardes bien, tu verras ici un chien, un serpent, un éléphant, un caméléon, une loutre et une mouette. Donc il y en a 6, pas seulement 1. On continue. Regarde cette image de près. Que vois-tu? Si tu vois un lac et un paysage de montagne, tu es une personne réaliste qui aime se fixer des objectifs et les atteindre étape par étape. Si tu as remarqué le double sens de cette image et que tu as vu qu'il s'agissait de la tête d'un chien, tu es très créatif et tu préfères souvent ton monde imaginaire au monde réel. Et là? Si tu vois deux chats amoureux, tu es une personne sentimentale et romantique qui voit toujours le bon côté des gens. Tu te fais facilement de nouveaux amis. Si tu as vu le chat sauvage à l'envers, tu es une personne ambitieuse et un leader naturel. Tu as l'énergie et le dynamisme qui font que les autres t'écoutent et ont facilement confiance en toi. Et que vois-tu ici? Si en premier tu as vu les éléphants, tu dois être une personne logique qui cherche une explication raisonnable à tout. Tu aimes suivre un plan et tu n'aimes pas les surprises. Si tu as vu des cygnes,
dois être plus spontané et aventureux. Tu aimes essayer de nouvelles choses et prendre des risques, petits ou grands. Celle-ci semble assez évidente, mais ce n'est qu'une illusion, ne l'oublie pas. Si tu vois une tête de tigre, il semblerait que tu sois une personne très amicale et facile à vivre. Tu te sens plus à l'aise en compagnie d'autres personnes que seule. Si tu as instantanément vu les trois tigres, tu te sens bien entouré par d'autres personnes, mais tu es plus productif quand tu es seul. Tu ne t'ennuies jamais lorsque tu es seul, car tu as toujours plein d'idées en tête.